Précédemment dans Amour, Gloire et Excès. Gilles! Quoi? Mais regarde d'où t'as le retour. We're MTV. Show us your crib. And then I'm pregnant with fucking twins. J'ai eu. Dès qu'on a eu la caméra de Amour pour l'Axie, il y a un problème. Attends, c'est ça la voiture? Mais tu sais que j'ai de l'anxiété là, je suis choquée de la méchanceté qui sort d'eux. J'ai mis du droit, t'es qui? Il doit vraiment ne pas avoir confiance en eux. Qui a dit ça? Non! Aïe! 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 Blague, y'a combien dedans? Je fais pas rire. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Non, ça me fait pas rire, j'aime pas. Are you possessed? Oh, tchala! C'est une blague! Donc, on est un peu surpris de la situation. Je vais partir chez ma mère en fait, c'est moi. Non, moi, pas sur drama. Real bitches only! On va s'éclater là, j'arrive pas à y croire que celui-là. Let's get it! Let's get it! Sylvain, c'est le plus grand fan de tous. Oh. Blackpink. Il marche assez vite et Alexa elle arrive pas à qui parle. J'ai trop mal dans les pommes. Vraiment? J'ai trop mal dans la tête, c'est très grave. On parle de nos meufs, mais je suis choquée parce qu'on est dans le bus, il est complet, il n'y a que nous qui parlons. That was I'm being. When you go from that to that. Your lips got naturally bigger. The older you get, the bigger your lips get. Il fait tellement froid. Oh my god! Look at my pants! Yes? On a pris des sushis, celui-là et il enchaîne. Ils sont si bons. Le froid il est rentré dans ma dent. Un glow par rapport au début quand tu faisais tes petits trucs d'alien là. Toujours la tempête devant. Ça passe, on a outil encore parce que c'est une eau sèche. Donc on est arrivé un peu en retard. Et là aujourd'hui on voulait y aller tôt, on arrive encore une fois en retard. J'en profite pour montrer mon outfit. Ce soir, qu'est-ce qu'on va voir plus important? Billy, Bazzi, il y a d'autres gens que j'ai hâte de voir donc on vous emmène. Mon look c'est un peu, je vais à la plage. Une riche de Saint-Tropez. Très inspiré du défilé de Jacquemus, la Riviera. C'est pour faire un sandwich, normalement des pantalons mango femme. En enlevant les lunettes, je pense que ça le fait un peu plus. Et après là j'ai mis des petits accessoires, genre ça c'est littéralement une anse d'un tote bag que j'ai coupé avec un couteau. Avec ce vent,
Je sais que mon chapeau il va pas durer longtemps, donc j'espère que je pourrai prendre une photo avant qu'il s'envole. And this is Alexa's outfit. Voilà l'outfit de Paola. Avec ses petites nattes vraiment super originales. Alix est son assistante. J'aime bien. Basique, mais on adore. Clara, on adore. Vraiment démon. C'est son mood en plus depuis qu'elle est arrivée. Elle est un peu peste. Jules aussi, il n'y a pas trop de risques. Et il est en train de faire un DIY. Gloomy Sarah a peur pour sa carrière, je crois. Aïe! Ça fait trop peur. C'est super planté. Le squad est en bombe et on est prêt pour le deuxième jour. On a raté Basi, j'ai trop le seum. You're so fucking precious when you smile. Le prochain c'est J Balvin. Et après c'était qui? Je la connais pas trop, je me rappelle plus ton nom. Qui quoi? Bah c'est Bill... Je sais pas, c'est une nouvelle. Bilal? Bilal Hassani. Next year. Là c'est Billie Eilish. Et après le soir on a Kid Cudi, donc c'est à dire tout mon enfance. On dirait un peu que je suis dans une secte. Hasta el cielo. Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta. Yeah. Como ella se mueve. Imagina tu SFR. Hop là. On se sent fou. Avec mon grand chapeau, j'aime tout le monde. Mais elle est où, gros? Je comprends pas, elle est où? J'ai la dit, c'est son gros malade. I'm a bad guy. Ah, je l'aime trop. I like when you get mad. Tout le monde te regarde. Tout le monde regarde. Chanter les chansons, ouais. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Sound it. We're never gonna be in this exact moment ever again. Ever, 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 ever. Il y a Kanye qui est littéralement venu par surprise, j'arrive pas à y croire. Clara, joyeuse Pâques, notre premier dîner tous ensemble. Il n'y en a pas un qui va au McDo, l'autre à Sushi et l'autre à Taco Bell. J'ai la quantité de fromage. Merci Adrien. Blague. Je me suis dit aujourd'hui je ferai que un ange et non ange démon. Moi beaucoup hein, tu vois le gabarit. Bon appétit. Je vous montre un peu les outfits. Blanc et regardez les cheveux. Blue girl. Comme vous voyez, je suis une boule à facettes. Le but c'est d'être la petite statue des Oscars. Elle essaie de deviner son âge. More. 1915. She's 15. No. No. C'est du vin en canette. I love it. Happy birthday to you. What happened? I'm so pissed. This cop in a bulletproof vest, like an official cop, comes up to me and goes, I see you have a 21 wristband on, I need to see your ID. So I get it out of my backpack while I'm eating. I'm like, this is so annoying. He stands there for 10 minutes running my stuff. What? Then at the end he goes, okay, you're good. Leaves. And then this girl beside me goes, damn girl, as if I got away with like having a fae. I'm so pissed because everyone thinks I'm younger when I'm 21. That's... She goes, yeah, well you look like you're 14. Romy, hello, et Lali, Ryan, Maya et Bilal.
troisième jour, dernier jour. Ça va commencer quasi. Meuf, c'est pas... I came out here, I had no idea I was gonna be on this stage tonight. Absolutely no idea. Thank you so much for coming. And we love you so much. I'm coming soon. Coachella's over, bitch. Coachella. C'est la fin. Ça se passe trop vite. Ça se passe vraiment trop vite. Ah. Culture is over now. Guys, surcoté ou sous-coté? Normal. Normal. Mais... un peu surcoté. Un peu surcoté. Non. Ça passe. La dernière, sous-coté. J'ai préféré la dernière en fait. Mais la population avec qui je suis, c'est beaucoup mieux maintenant. Quand j'ai idée, les gens avec qui j'étais, c'était incroyable aussi. Mais là, je suis avec tous mes amis, genre. Ouais. Cette année, il y a toute la terre, il y a toujours qui la réalité. Ouais. Genre qui veut. Honnêtement, ça passe trop vite, Coachella, en fait. Mais nous, on arrive super tard, on arrive vers 19h, alors que ça commence à 10h du matin. Un truc qui est vrai, c'est que tu le fais une fois, t'as envie de le faire toutes les années. Ouais, ouais, ça c'est. Genre mine de rien. Donc là, je dois enlever littéralement toutes les paillettes que j'ai sur mon corps. C'est-à-dire que j'en ai littéralement partout. Il y en a absolument partout dans la maison. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a vraiment genre sur mes amis. Il y en a par terre, il y en a dans le salon, il y en a dans les voitures, dans tout. Et il est 2h du matin, et demain on se lève tôt pour éviter les embouteillages. Est-ce que je vais survivre? Je ne sais pas. Possible, ta boisson elle fait 1,5 litre. Ça t'a coûté combien? 1,50€ ici, ça me doux. Alexa nous a déposé dans notre maison temporaire pour une nuit. I'm still in my pajamas. Did you enjoy Coachella? Yes, so are you fun. Going next year? Yes. C'est un truc de ouf, elle est énorme. Donc là, on vient de quitter Palm Springs, ça nous a pris 3 heures. J'en pouvais plus, la voiture c'était hyper long. Donc on devait aller dans une maison, sauf qu'il y avait des réparations. On était gravé avant, on l'a appris hier. Et du coup, ils nous ont donné une maison de remplacement. Là, je suis désolé, je ressemble à rien. Genre Instagram, c'est ce que tu commandes en ligne et là, bah, c'est ce que tu reçois. Donc voilà la maison qu'on a temporairement. Donc je sais absolument pas pendant combien de jours, mais elle est absolument magnifique, j'en suis choqué. C'est une dinguerie. Oh waouh, c'est magnifique. Oh mon dieu. Ah non mais c'est un délire. Ah mais il y a trop de chambres. Putain, l'architecture elle est magnifique, je suis choqué. Je suis absolument choqué. On reste pas ici plus longtemps. Ouais, on négocie pour la garder, je pense. Oh, la maison des filles, la chambre des filles. Là, on a rejoint bah, le premier groupe qui était parti, Clara, Sullivan et tout. Il y a Johan et Wesley qui sont arrivés. Ils ont débarqué, on leur a donné l'adresse dans 0,2 secondes. Ils étaient là. Moi, je vais me reposer parce que j'ai pas dormi. Donc, je vous laisse vous amuser, hein, les garçons. Ouais, et on se voit tout de même. J'ai fait ma sieste, je suis allé me faire masser parce que après Coachella, j'en avais extrêmement besoin. Je suis avec Léna. On est parti en plein milieu de la nuit. Il est 4h du matin et on est parti prendre un peu à manger. Je voulais quand même vendre les sushis. Mais depuis l'avocat il était devenu marron. C'était les derniers. Mec, vous êtes même malade. Mon addiction au sushi me fait prendre des décisions qui ne sont pas toujours raisonnables. On a faim. Et on a pris une lime à deux, c'était trop cute. Et, ma pire phobie, potato pancake. J'ai envie de vomir. Mais faites des pancakes normaux, genre. Sérieux, souris. Et la musique, elle nous booste pour qu'on achète des sucres. On vit l'amour fou, genre. Attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'on cherche en fait?
2024, donc nouvelle voiture et nouvelle maison. On a pris une petite voiture qui est décapotable. On s'est fait virer de notre maison ce matin. Vu que notre ancienne maison n'était pas prête, comme je vous ai expliqué hier, nous ont passé elle et d'un coup on se réveille. Il y a les proprios qui sont là alors que dit qu'il fallait attendre à que l'autre maison soit prête, sauf qu'elle ne l'était pas et du coup on dégage. On sait pas quand est-ce qu'on va dans notre vraie maison. Ah ouais, Paola, tu me frappes avec le Saint Laurent. Je vous laisse, je supporte pas. Je supporte pas. Ils veulent pas me faire sortir de la voiture. Depuis elle est en quarantaine. Nous fait une petite poste en téléphone. Non, non, mais j'ai des gens moi. Quoi, elle parle de moi, de la c***asse. Mais c'est moi qui paye mon téléphone. Va par dessus, chérie. T'es une icône, Paola. On quitte notre petite maison. Il avait un iPhone noir sur le même tapis. Oui, c'est le tien. Et du coup, il est où? Ils l'ont pris, ma gaga. On y va sur le téléphone. Ah mais je peux péter un pont si j'ai pas mon téléphone. Non, bah j'ai pas chaud, ça se fait. Mais quelqu'un peut les... Adane, tu peux appeler, s'il te plaît. Merci. Mon gros plan, t'es... C'est horrible. Voilà, ça fait 3 jours, elle a aucun comportement, elle a la voix rock, on dirait une crackhead. J'adore le mot crackhead. J'ai 40 000 valises, donc là on est arrivé dans notre nouvelle maison et elle est encore plus iconique que la dernière, j'aime trop la déco. Ah écoute, oui, enfin je peux pas me plaindre, on a tous des chambres iconiques. Faut qu'on arrête de se plaindre parce qu'on a tous des chambres qui sont relativement grandes. Non, non mais c'est vrai, on est too much. On commence à avoir des dramas parce qu'on a tous des chambres qui sont grandes, genre faut arrêter. Je me vois trop, on va être posé ici, trop bien. Jules, il va faire son petit piano là. Allons voir l'étage, parce que c'est la maison dans laquelle on reste le plus longtemps. Donc je vais bientôt vous montrer. Là, il y a ma petite popo. Non, mais parle pas avec moi. Pourquoi? T'as vu comment tu m'as clashé en bas? Tu sais qu'il faut pas jouer avec moi. Tu sais que je suis susceptible. Et tu sais que moi aussi. Oh. Vous allez bien, on s'embrouille, donc on avance pour un galop. Là, c'est la chambre de Paola et Alix. Non, on est horrible à dire ça alors qu'on a des chambres iconiques. C'est leur salle de bain qui donne au salon. Encore un salon, j'avais failli croire, on a 20 000 salons. Et là, non par contre, je peux pas la voir. Ça donne envie de pleurer. Meuf. Le dressing. Une énorme blague, ce qu'il y a dans ma chambre, j'avais pas capté. Une tour de contrôle. Mais bonjour les ondes, moi je dors là, genre. Sinon, petite posté. On est allé dans un magasin, genre avec Danae. Vous savez pas sur qui on tombe. Sur les deux petits serpents, comme par hasard. Genre vraiment, il y avait personne dans le magasin. Et Félix l'a voulu me dire bonjour, j'ai littéralement regardé sa main. J'ai dit non. Il me dit pourquoi tu me dis pas bonjour? Si j'ai vu les DM et là il a vu flou. Le mec il dit qu'il veut qu'il me déteste, qu'il veut m'éclater et tout en DM quand ils envoient des DM à ses potes et il ose essayer de me dire bonjour. I'm not doing this the fuck. Je voulais juste vous update à ça et puis si je le recroise de toute façon j'en parlerai pas. C'est inintéressant. N'allez pas non plus vous énerver contre eux. Écoutez, on s'en fout hein. Des trucs de la vie, il y a des serpents partout. J'espère qu'ils apprendront de leurs actions pour changer et apprendre à avoir confiance en eux et ne pas devoir descendre les autres pour exister. Je sais que les gens changent. Donc je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils vont changer. En attendant, j'ai trop hâte, on est à LA, on va pouvoir commencer à faire des activités. Anne, elle se garde n'importe où. Elle va à Santa Monica. Clara, t'es trop belle. Tu le sais. Toi aussi. Tu vas pas? Non, va avec elle, amuse-toi. Et pour la première fois de l'histoire d'Amour, Gloire et Excès, il va y avoir des plans avec les caméras de sécurité. Vous allez tout savoir. Donc là, par exemple, j'étais allé manger sushi avec Alexa et j'étais en train de rentrer. Bon, on commence avec un plan qui est un peu inintéressant, mais vous inquiétez pas, ça va s'intensifier. Comme tous les matins, les filles se réveillent aux aurores alors qu'on est tous en train de dormir. Du coup, elles en ont profité pour aller acheter le cadeau de Jules. Parce que oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jules, c'est 20 ans. Donc nous, après, on s'est réveillés et on est directement allé à la piscine, donc on dirait littéralement des Sims. On est allé faire une guerre dans l'eau. Il m'appelait Gargamel, c'était moi contre tous les autres habitants. Après, ils se sont retournés l'un contre l'autre. Bref, le mood était de s'éclater. Du coup, on a eu une guerre qui était très très intense. C'est les 20 ans de Jules, mais on est en train de faire genre que c'est pas encore. Parce qu'il faut attendre que ça soit minuit ici. Oh ton bébé!
Il est au mental breakdown, mais t'as pas 20 ans encore. Il a regardé toutes les vidéos que vous lui avez faites sur Insta, ça l'a hyper ému, genre vraiment. Même limite, ça a ému Paola. Vu que c'était l'anniversaire de Jules quand même, j'étais en train d'essayer de mettre l'ambiance. Mais personne voulait danser, j'étais le seul à danser. J'essayais un peu d'enjailler les gens et tout. Au début, c'était sans succès, mais j'ai pas abandonné. Et petit à petit, l'ambiance s'est installée jusqu'à que... Donc je vous explique, je devais faire un montage de la vidéo que j'ai fait avec Jules et Gloria où je leur fais vivre une journée de rêve si vous l'avez pas vu. C'est sur le petit i. On s'est tous préparés en bombe pour aller au restaurant. Voilà, il n'y a pas grand chose parce que j'ai toujours pas fini le montage de ma vidéo. C'est vrai que c'est relou de le faire maintenant. Mais les vacances c'est bien, il faut travailler aussi. Pas encore, dans 2-3 heures, genre. From notre dégustation en cours, to se marier. On a notre popcorn stream. Il y a des dramas. Chérie, c'est Zara. Oh, ma mère fait un truc à Rara. Yes, Clara. Plusieurs. Oh, and then you just leave a little cone on top of your truffle shop. Thank you. Enjoy. Thank you. Y'a quoi là? On peut faire du striptease ou ça te fout de gêne? Mais je la vois pas! Paolé, elle a une assiette blanche! Ah bon? On a tous des trucs archi extravagants! Ah, grave, elle est dans l'écran, quand même, pour le dire! La poussière de feuille! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Arrête, tu la décoiffes. On lui crêpe le chignon. Ouh, c'est une farce. Affaire de couverture. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Paula, Paula. Paula, je t'espère. Paula, je t'espère. C'était comme dans un cauchemar. Sans fin, sans lumière, sans paix. C'est un cauchemar éternel. Bird Box. Belle journée, j'ai fait une vidéo il y a très très longtemps quand je venais à peine de commencer à mettre du make-up et là je trouve que je me suis quand même assez améliorée. Je vais vous montrer les produits que j'utilise, peut-être que ça vous intéressera. Je me fais bouillir dans cette maison. Moi je suis belle. Honnêtement un peu flop hein. Le café là. Rateuse. C'est grave pas à cause de moi. Si, c'est à cause de toi. Ah. Vu que je me suis un peu améliorée au make-up, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer quels produits j'utilise. Peut-être que ça vous intéressera. Passons à l'intervention mécanique sur mon visage.
nettoyant le visage. Nettoyage de visage, donc faut le faire matin et soir tous les jours. J'utilise un gel de The Body Shop aux algues. Donc pour bien se nettoyer le visage, récitez l'alphabet dans votre tête. Et une fois que vous arrivez à Z, bah c'est bon. On sèche le visage en tapotant la serviette, pas en la frottant. Et pourquoi pas appliquer un masque noir? Bye bye point noir. Bref, on le laisse poser 30 minutes. Le meilleur moment c'est de l'enlever, c'est trop satisfaisant. Genre regardez moi je suis littéralement en osmose. Et on relave le visage pour avoir encore plus de rougeur. Je mets un tout petit peu de crème hydratante matifiante. J'en mets juste un peu parce qu'après j'ai ma crème hydratante teintée qui a littéralement révolutionné ma vie. Donc si vous voulez un effet naturel et juste unifier votre teint sans avoir trop de couvrance, vous allez kiffer. Moi c'est ma pote Alexa qui me l'a conseillé, je savais même pas qu'il était en vente en France. En plus ça protège contre le soleil, bref c'est iconique. Moi je mets plus de fond de teint, je mets que ça. Si vous passez une journée dehors pendant l'été que vous voulez pas beaucoup de couvrance, si je veux garder le make-up plus longtemps, je mets une base matifiante. Là pour le coup c'est pas le cas parce que c'était déjà le soir. Go structuré. J'applique mon concealer plus clair en guise de contouring sur les parties que je veux illuminer. Puis je poudre, mais je poudre. Qui va laisser son make-up s'échapper ici? Et maintenant la partie où ça passe ou ça casse, parce que je ne sais littéralement pas doser, le bronzer. J'applique la règle de 3 en assombrissant le front, le creux des joues et la mâchoire afin de pouvoir perdre 9 kilos en 2 minutes. Ensuite, j'applique un tout petit peu d'highlighter pour avoir l'effet glowy. Et finalement, je remplis mes sourcils et je les fixe. Donc voici la fin de ce tutoriel. Je sais pas si ça aura aidé quelqu'un. Voici le résultat final. Voici mes secrets. Clara Notte Cristo. Birthday! À mon gloire et avec cette fromage. À la base, j'ai pris des cours de cuisine. Je te jure, c'est vrai, 3 ans. On voyait à Gordon Ramsay et demandait juste qu'ils en pensent. Gotta prove I'm going crazy. What you gonna do? The way you play me, I must be out of my mind. Boy got me crazy. Prenez les bouteilles d'eau. J'ai pas les yeux. Attends, je te jure, j'ai pas de bouteille d'eau, moi. Mais t'as... Ah, je suis nu, là. C'est de pire en pire, guys. Je vlog de moins en moins. Aujourd'hui, ça a été chill day. C'est iconique. You're living your fantasy, right? Et Clara nous a fait des petits cookies et des croissants qui ressemblent absolument pas à des croissants. Ce soir, je vais en boîte de nuit pour la première fois légalement aux États-Unis. J'ai trop hâte. Du coup, il y a ma pote Sarah, sa pote Soleil et d'autres potes qui viennent. Et après, on va à Warwick. J'ai trop hâte d'aller en boîte légalement. Et là, c'est la fin de la soirée. Demain, c'est notre dernier jour dans cette maison. Hein. Unless you were so wrong. Yes. Hi, Soleil. Donc avec My American Girlies, on a pris un ou deux verres et après on était prêt à tout donner en boîte. Je dois partir en boîte, il y a de l'eau partout. Non. Tu vas mettre sur mon outfit là, de rose bonbon, on dirait un snack. Donc, à ma bonne surprise, en rentrant de boîte, je retrouve Paola et Jules qui m'attendaient patiemment dans mon lit. Étant un peu amoché, je parlais un peu fort et je faisais un peu de bruit. Bon, soyons réalistes, je sautais littéralement avec mes chaussures qui vont 20 kilos en plein dans le salon. Du coup, j'ai réveillé toute la maison. Oups, Clara nous a dit par message de la fermer et j'étais dans le mood taquin. Mais c'est pas trop bien passé.
Paola s'est fait virer de son lit par un Alix Gonchon et elle a dû dormir dans le salon. Du coup, le lendemain, à 9h du matin, Danae a décidé de se venger. J'ai mis l'adresse au hasard et on arrive, on est dans un fucking ranch. C'est ça le signe Hollywood, je jure. Là on va voir les chevaux. Non, mais c'est ta mère. Hello, I'm very sorry to bother you. I'll go all the way down to the dirt parking lot and you'll see a path going up where there's a bear, a wooden bear. Okay. Just go up that path and then you're. Thank you so much. Have a very good day. J'ai l'impression d'être dans une aventure, j'aime trop. Regarde celui qui est par terre. Regarde, ça m'espace. Non, mais c'est pas les chevaux de ta mère. C'est ça les. Ah, y'a un serpent au secours, moi je peux pas. Oui, moi je peux pas. Tu viens pas changer mon vol, frère. Elle a vu le truc blanc là. Elle a dit ah, une chèvre. Pourquoi on est enfermé? Dis-nous, Paola, amuse-toi avec les chevaux, t'as le code. On va demander à boire chez les gens. So extra. Tu me fais écraser par une Tesla au moins. Non mais je ne filme pas chérie, je filme ta voiture. Tesla, elle s'ouvre toute la porte comme ça là. Pas toutes. Aujourd'hui, on teste la nouvelle Tesla. Non, je rigole. Elle a pas de batterie. Tu vas repousser les filles avec ça. Ouais. Non mais chérie, si j'avais le permis, j'en aurais plus 4. Weird flex, but ok. Quelle marque tu vas acheter dès que t'as le permis? Maserati. Tu peux pas t'acheter une Maserati en première voiture, Paola. Tesla. Il est en train de faire de la lime alors qu'elle est pas débloquée. Alix, c'est un boucan. C'est scandaleux. On a dû le chercher, mais il répond pas au téléphone. Alix, monte dedans. J'allais te prendre des photos. Mais Alix, préférait prendre deux photos à Paola pour après te prendre jusqu'à que le Uber il arrive. Allez, monte pour une photo, wesh. Alix, dépêche-toi. Alix, ma mère, arrête, c'est de la honte, j'ai eu vers la honte. Alix, s'il te plaît, je t'en supplie. Alix, c'est bon, t'as assez joué. Alix, I'm so sorry, we'll tip you. Alix, s'il te plaît, Alix. Alix, je t'en supplie. Alix, c'est bon, Alix, Alix. C'est la première. Ok, Alix, il a une nouvelle demande, s'il te plaît. Genre, je rigole pas. Je ne voudrais pas dans cette voiture, rentre chez nous. Bisous, j'ai 1% de jambes. Non. Si tu veux partir, ça m'énerve, je te promets. Tu rentres comment chez toi? On va les couilles. Ok, we'll go to the destination. So sorry, Fax. Bon, vu qu'Alix est énervé pour la seule et unique raison que je prenais Paola en photo et pas lui, quand même parti voir une belle vue du signe Hollywood. On n'est pas venu ici pour rien, donc Alix mort dans le game, à nous de prendre nos photos en bombe. Mais le karma n'a pas tardé à frapper. Le signe Hollywood. J'ai emprunté la chemise de Sullivan, regardez la marque. Saint Laurent, j'ai envie de pleurer, guys. Oh mon dieu, je suis en train de respirer si fort. Regarde le trou que j'ai fait. Je sais même pas comment, genre je me suis accroché à une plante. En plus Sullivan il allait grave à bien aujourd'hui. Je crois que je vais aller acheter un truc chez Saint Laurent. Ah, je peux pas lui montrer ça, je suis obligé d'arriver avec ça et un cadeau. Ils s'en font même, c'est relou, autant lui laisser un truc. Ouais, les chemises de luxe elles valent genre 1000€, un truc comme ça. 1000 balles et ça s'accroche à une plante, ça se pète faire. Mais aussi je pense qu'il est pas censé porter des chemises Saint Laurent en randonnée non plus. Situation actuelle, il est 2h du matin. On quitte cet Airbnb demain, Paola c'est même pas si elle reste avec Jules et moi les prochains jours. On sait pas si Alix reste non plus. On va aller au McDo à 2h du matin au drive. McDrive situation. J'ai trop peur de niquer la voiture. Good. Bref, on vous dit bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures. On sait même pas ce qui va se passer, où est-ce qu'on va loger, qui fait ce cas-là. Paola raconte. En gros, je devais changer mes billets il y a 4 jours, mais je faisais que d'y réfléchir parce que j'ai envie de rentrer en France. Moi, j'ai envie de rester avec mes potes et tout. Bref, c'était une grosse galère. Du coup, ce matin, je me suis dit, bon, au pire, on a qu'une vie, genre YOLO. Du coup, elle a modifié le sien, mais elle pouvait pas modifier celui d'Alix. Moi et Alix, genre, soit on reste tous deux, soit on part tous les deux. Et son billet n'est pas échangeable. Genre, j'ai pété un plomb. Genre, j'ai tout cassé dans la maison. Et là, on cherchait un hôtel, on savait même pas où aller. Ils ont pris un Airbnb qui est grave nul alors qu'on avait un hôtel iconique pour le même prix. Bah oui, elle a échangé. Ah, tu rentres pas. En fait, il a essayé d'appeler, ça va être pas avec nous. Oh mon cher. Danae veut dire Dieu merci, tu vas prendre des valises. Ça veut dire qu'on arrive à 18h, le vol il est à 20h. Tu as fait tout le monde et j'ai ton vol, je rentre avec toi. Yes! T'as été comment? Comment t'as fait?
La colonie de vacances. Dans notre nouvelle maison, ça va, c'est cute. On est un peu loin de tout, mais la maison elle est bien. J'espère juste que on va se chauffer pour sortir et ne pas rester à la maison. Donc, pour une fois, j'ai la meilleure chambre, même si c'est pour 3 jours. On inaugure du café avec mon pote et on revoit plus d'Anna et Clara. J'ai trop hâte de revoir à Paris. Avec la musique de lui. Donc là, je les ai convaincus pour venir avec moi au café de mon pote. Je sais pas à quoi m'attendre. Je savais même pas qu'il avait ouvert un café. J'ai hâte de voir ce que ça donne et j'ai hâte de manger. On se casse, on va faire l'accent. Gâchez la craquette. On se casse, les amis. Le prochain épisode est trop cute. Comme vous savez, il est en ligne le 21 à 19h. Et si cette date est déjà passée, vous pouvez le trouver sur le petit. Et il y aura un autre épisode le 25 à 19h. J'ai trop hâte que vous voyez l'épisode final de LA Coachella. Et j'ai trop hâte que vous voyez celui du 25 qui est sur mon anniversaire.